Africa, un monde nouveau vous appelle. Une huile raffinée et sans cholestérol. Avec Aya, chaque femme est une reine. Aya, trésor de mon pays. Bienvenue. Vous êtes artiste chanteuse, vous résidez en France, vous faites valoir près de 30 ans de carrière professionnelle. Et ouais. Vous vous illustrez dans la variété, comme on l'a vu, le zouk notamment. Et c'est en 1995 qu'on vous a découverte, effectivement, grâce à votre album Nyenyan, je ne sais pas si je prononce bien. Et donc, depuis, vous chantez en langue baoulé notamment, cette très belle langue. Et vous avez à votre actif 4 albums. Tout à fait. Dont le dernier est sorti en mars. En mars 2022, là. Ouais. Avec le titre qu'on vient d'écouter, qui s'appelle Ma vie. Ma vie. Ma vie, donc pour traduire tout simplement, hein, ma vie, elle m'appartient. Tout ce que vous pouvez dire autour, ça ne regarde que vous. Voilà, elle est à moi. Votre vie. Et l'album s'intitule Ensemble. Ensemble. Et c'est ensemble que nous vous disons à quoi bah, chez vous. Merci, cher frère. Vraiment, Chanaka, mais du coup, quelle est votre actualité? Alors, donc, je suis venue pour les fêtes de fin d'année visiter la famille. Tout à fait. Et, on ne peut pas venir en Côte d'Ivoire sans passer par notre. Télé nationale. Ouais. Voilà pourquoi je Welcome, suis... welcome. Très heureux de vous avoir et nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de bon.
profitez bien de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous faites la navette un petit peu entre la Côte d'Ivoire et la France. Oui, je viens régulièrement puisque je suis native d'ici et ma famille se trouve là. Ma maman est là, mes frères et sœurs sont là. Vous n'avez pas prévu un petit concert entre-temps, un petit passage pour gratifier votre public? Là, je suis sur le départ pour ne pas décevoir mes fans, mais bon, je reviendrai bientôt. Mais très bien. Mais écoutez, nous vous disons encore à quoi. Ben, merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Merci à vous. Merci à tous. Et bon, bonne visite. On salue votre famille. Merci. Et n'hésitez pas à revenir pour vous vidéo. Et un petit mot, bonne et heureuse année 2023 à la Côte d'Ivoire. Que paix, santé, prospérité soient notre leitmotiv au quotidien. Au nom de... Merci beaucoup. On va raccompagner Chanaka avec de chaleureux applaudissements. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Alors, on ne le dira jamais assez, le travail, rien que le travail est toujours le travail paye. Le travail paye. Au travail, ajoutez l'excellence, couronnez le tout par la passion et vous obtiendrez assurément des résultats probants. C'est fort de ces valeurs que nous sommes heureux de vous retrouver pour le premier numéro de l'année des Jeudis de ces midis, le numéro de 2023. Et Dr Philo est en place, Nadia Sabé est prête, le public est impatient. Alors je dis simplement... Hop, c'est parti. Les Jeudis de ces midis. Alors, c'est une émission qui s'annonce caliente et passionnante. Et puis, je vous dis simplement, restez avec nous parce que c'est midi. C'est la télé utile. Yes. Hey. Hey. Ce générique, toujours, ça donne envie de danser. Mesdames et messieurs, la pétillante Nadia Sabé, ovation pour elle. Ça monte là, ça monte, ça monte. Oui, ça monte là. Mais je me sens pas en sécurité. Quel personnage est en train de monter là? Lequel? On sait pas trop. Je sais pas, mais c'est en train de monter. Je me sens pas en sécurité. Je sais pas si c'est un prisonnier ou un pétrolier. Moi. On applaudit pour Dr Philo l'incontournable. Moi, je suis pas d'accord avec ce que Nadia dit. Au fait, c'est vrai que c'est vrai que c'est la tenue quand même des prisonniers, mais je ne suis pas un prisonnier quand même. Ah, parce que certains prisonniers, même vos prisonniers qui sont là, ils s'habillent comme ça. Moi, c'est pas des Voilà, moi, je suis habillé comme, je suis un pétrolier aujourd'hui, et ça s'est vu par ma manière de danser. Voilà, vous voyez, tu as vu. Les pétroliers dansent d'une certaine façon. Ah oui, nous, on danse pas à couper décalé. Ah ouais. Et ces chansons comme ça, là, nous, on danse. Alors, vous pouvez m'appeler Mr. Tadji, pétrolier, oui. D'accord, Mr. Tadji. Pétrolier. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce numéro des Jeudis de ces midis. Vous savez, nous aimons mettre à l'honneur des parcours inspirants. Et le thème de ce jour, c'est tout simplement expert international en pétrole et énergie. Serge Parfait-Diomand est engagé au service de la Côte d'Ivoire. Je vous invite à découvrir son portrait à travers cet élément. L'invité fil rouge du jeudi. Sa carrière, il l'a définie à juste titre comme transcontinentale. Diplômé de prestigieuses grandes écoles d'ingénieurs en Afrique et ailleurs dans le monde, dans les domaines de la thermodynamique, du pétrole et du gaz, des énergies nucléaires, des énergies conventionnelles et renouvelables. Serge Parfait-Diomand totalise 25 ans d'expérience de carrière à l'international dans le secteur industriel. De l'Azerbaïdjan au Canada, en passant par la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Maroc, le Gabon ou encore les Antilles, l'expertise de cet ingénieur de l'industrie pétrogazière fait l'objet d'une forte sollicitude à l'échelle internationale. De retour au Bercail, où il est impliqué dans le développement de la filière mine, pétrole et énergie, Serge Diomand partage son expérience avec ses concitoyens ce jeudi dans C'est Midi avec Caroline Da Silva. Alors, ce n'est pas Caroline Da Silva, en tout cas pas encore. Laurent Monti, accompagné de Nadia Savé, Dr Philo. Ouais. Et c'est avec beaucoup de gens que nous accueillons ici et maintenant Serge Parfait-Diomand. Quelle classe, quelle prestance. Installez-vous, bienvenue. Quelle classe. On vous laisse vous installer, pendant que vous installez. Bienvenue à Kwaba, Nadia Sabé, Dr Philo. Merci. Notre expert international en pétrole et énergie. Installez-vous. Vous avez raison de l'applaudir, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'experts comme ça.
Alors, Serge Parfait Diomane, vous êtes expert international en pétrole et en énergie. Vous êtes ivoirien, franco-ivoirien. Vous vivez entre la France, l'Inde, les Émirats. En fait, vous êtes un citoyen du monde, j'ai envie de dire. Et puis, vous totalisez plus de 25 ans de carrière dans l'expertise dont vous, que vous faites valoir aujourd'hui. Vous êtes passé par l'Azerbaïdjan, le Canada, le Gabon, le Maroc, la Belgique, les Pays-Bas, les Antilles, en tout cas, plus de 30 pays. 35 pays. 35 pays. Wow. Ça fait 35 pays. Et nous sommes absolument heureux de vous avoir aujourd'hui sur le plateau de ce midi. Et vous incarnez parfaitement le but de cette émission, les jeudis de ce midi, mettre en avant des parcours inspirants. Alors, donc, nous allons tout de suite aller à votre connaissance. Déjà, bienvenue. Merci. Vous êtes ivoirien, vous vivez ici, vous vivez partout. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous dire bienvenue. Monsieur Diomane, j'ai tout de go comme ça envie de vous demander, est-ce que les pétroliers s'habillent comme Dr Philo? Et dans moi et moi. S'ils s'habillent comme ça, les pétroliers. Ça. Parce qu'il y avait un débat tout à l'heure entre prison, pétrole, on savait mais pas. Mais c'est elle qui dit prison, elle dit Guantanamo. Non, loin de Guantanamo. Moi, c'est... Exact, les pétroliers ont cette couleur orange. Voilà. Surtout ceux qui travaillent en offshore, c'est-à-dire en mer. Mm-hmm. De sorte que lorsqu'il y a une chute en mer de façon accidentelle, la couleur orange permet d'être repérée facilement quand on est dans l'eau. Mm-hmm. Vu du dessus, l'eau étant bleue, si vous allez en tenue bleue et que vous êtes, par exemple, naufragé, il est difficile de vous repérer. Mmh. Alors que la couleur orange, c'est une couleur qui est de loin visible lorsque les hélicoptères font la recherche de survie en mer. Mmh. Et y compris entre collègues également, la couleur orange est visible de loin. Lorsqu'il y a le soleil et que ça frappe, c'est une couleur qui reflète et on sait où sont les amis. Et de façon intrinsèque aussi, ça éloigne certains animaux féroces. Mais pas cette couleur assez... Les requins. Alors, on voit qu'il n'est pas qu'expert en pétrole, il est aussi expert en couleurs, effectivement. Et l'orange est la première non, couleur. Non, mais c'est tout cela, je vous ai dit, c'est comme ça, en mer, on s'habille comme ça. Voilà. C'est comme quand tu portes habit rouge, là. Je te poursuis, non, buff. Ceci dit, l'orange aussi permet de repérer les prisonniers. Quoi, quoi. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Docteur, expert, Serge Parfait Diomane, vous êtes aujourd'hui expert, mais... Quelle a été votre formation? Vous avez été formé ici en Côte d'Ivoire? Déjà, je suis heureux d'avoir pu bénéficier de cet appel du président Nanan Félix Feboigny, mm-hmm. qui nous a sélectionnés à l'époque pour intégrer le lycée scientifique de Yamoussoukro. Mm-hmm. Et j'aimerais qu'on lui rende un hommage à ce papa. Ah, hommage mérité. Parce qu'effectivement, grâce à sa vision, on a eu beaucoup de talents, des talents qui ont été détectés et qui ont pu se prévaloir et se mouvoir à l'international. Et à l'international, voilà. Exactement. Et ensuite, diplôme d'ingénieur en énergie et ensuite des spécialisations en diplôme aussi en production pétrolière. Toujours ici en Côte d'Ivoire? Non, à l'étranger. Okay. Ensuite, pour la formation d'ingénieur énergie, une partie ici à l'ESIE, l'École supérieure interafricaine de l'électricité, mmh. et ensuite avec des spécialités hors d'ici, et ensuite des spécialités au niveau du domaine, disons, pétrolier, mmh. et ensuite une spécialisation en système numérique de contrôle commande, mmh. et ensuite une spécialisation aussi en système de sécurité, mmh. et ensuite une spécialisation aussi en informatique industrielle. Donc, c'est tout ce... L'expert qui veut, Nadia. J'ai envie de demander à Philo, et mm-hmm. vous? Moi? Oui, votre parcours de pétrolier. Après tout ce qu'ils ont cité, tu veux qu'ils disent quelque chose? oui, attendez, elle a dit, en tant que pétrolier, bon, nous sommes des exploitants, nous on exploite, mm-hmm. et puis nous avons l'argent. Mm-hmm. Nous, je suis exploitateur. On reviendra vers vous, docteur Philo, pour avoir votre expertise. J'ai envie de savoir, Monsieur Diomane, qu'est-ce qui vous a inspiré, vos parents ou un parcours qui vous a tout spécialement inspiré? Très tôt, déjà, mon père, je veux dire, parce qu'il est doublement ingénieur aussi en énergie et en travaux publics. D'accord. Et déjà à l'âge de CE1, j'étais allé le voir au bureau, mm-hmm. et en assistant à une réunion, il n'y avait pas de place, il m'a dit, bon, assois-toi au bureau, à la réunion. Donc de loin... C'était bizarre, mais j'avais l'impression, déjà à l'âge de CE1, de comprendre un peu ce qui se disait pendant cette réunion, parce qu'il parlait de turbines vapeur, turbines mmh. gaz et tout ça. Et très tôt déjà, ça m'a mis déjà la fibre industrielle dans l'esprit. Donc, ouais. Je savais déjà très tôt, déjà depuis l'âge de CE1, qu'est-ce que je devais faire. Et donc, en plus de l'énergie, j'ai complété avec le pétrole, les mines et tout ce qu'il faut.
Mais il faut dire que votre parcours est tellement est si inspirant que vous avez failli être recruté par la NASA et aussi par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc vous aviez le choix entre devenir expert de la NASA ou homme politique. Oui. C'est vraiment, hein, ça fait partie. Mais qu'est-ce qui vous a du coup motivé à plutôt choisir le pétrole et les énergies? Au niveau du pétrole, j'avais des perspectives de pouvoir m'étaler sur plusieurs compétences. Au niveau du recrutement à la NASA, j'étais focalisé sur les systèmes numériques et le contrôle commande, la partie vaisseau. Mais là, au niveau du pétrole, ça me permet de toucher la thermodynamique, le procédé, la mécanique des fluides, le piping, un tas de choses qui me permettent vraiment de déployer tout mon potentiel. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui suivent ces midis. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ceux qui rêveraient d'embrasser la même carrière que vous, est-ce qu'ils peuvent se former aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il faut mettre en avant les diplômes? Quel conseil vous pourriez leur donner? Bon, la première des choses, pour ceux qui voudraient embrasser la carrière pétrolière, il faudrait déconstruire une mauvaise idée qui est dans la tête. Le pétrole ne va pas finir. Le pétrole ne finit pas. C'est une ressource multimillénaire d'âge. On a une problématique peut-être d'accès. Excusez-moi, mais ça, c'est important à souligner parce que, bon, je sais pas si. Moi, je pensais que le pétrole était une énergie qui finissait, en fait. Oui. À un moment donné, les puits s'assèchent et que. Des puits peuvent s'assécher de façon locale, comme on dit, mais le fond pétrolier, le fond basique pétrolier, c'est une ressource multimillénaire d'âge. Wow. Donc, pour être dans ce domaine, il faut avoir d'abord un certain potentiel déjà intellectuel en avant. Il faut être prédisposé. Mais lorsqu'on effraie les talents qui sont dans les universités en leur disant que le pétrole va finir, c'est des gens qui dévient de la filière pétrolière alors que nous en avons besoin. Le pétrole ne va pas finir. Est-ce que quelqu'un qui a fait des études littéraires, par exemple, peut après s'orienter dans ce domaine-là où il faut être fort en maths, en physique, dans les maths? Bon, déjà, nous sommes dans une filière, ça dépend, si vous voulez aller en expertise pétrolière, c'est une filière très technique, donc il nécessite d'avoir un volet scientifique, matheux et physicien. Ensuite, dans le domaine pétrolier, il n'y a pas que des matheux. Il y a l'administration, il y a le trading, il y a la vente, il y a la communication. Donc, tout le monde peut venir. Et c'est tout ce monde-là que j'appelle dans le domaine pétrolier. Mais l'expertise technique, ça, c'est une autre dimension qui demande d'être prédisposé pour les maths, la physique, la chimie lourde, la chimie fine, tout ça. Donc, le pétrole, ce n'est pas une ressource qui va finir. Et le débat qu'il y a avec les énergies renouvelables et tout ça, c'est un débat où On va en parler en profondeur, mais je vois que vous avez ramené. Oui, non, j'ai dit pétrole ne peut pas finir. Pétrole, ceux qui disent ça, en fait, c'est Dieu qui donne le pétrole, et c'est eux son Dieu. Mais j'ai dit que peut-être que ça, pour parler plus sérieusement, ça doit être une stratégie. Merci. Une stratégie pour permettre aux étudiants d'étudier vite et de laisser la place aux jeunes qui viennent. Pétrole va finir, il faut étudier, tu n'as pas dit vite. Pétrole va finir, là, ils étudient vite. Sinon, si on dit, pétrole ne va pas finir, ils vont vieillir à 10 ans dans la même filière, comme pétrole ne finit pas, et ils redoublent la classe. Peut-être ça peut être ça. Mais moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Je veux savoir tout de suite, vous qui avez tout ce qu'on a cité là, les diplômes, experts en pétrole, bon, c'est pour vous. En quoi, en pétrole? Nous, voilà, nous, en pétrole, nous, on est de Yopougon. On dit à un moment que, Côte d'Ivoire, il y a pétrole ici. Ça est où? Aïe! Qu'en est-il de l'exploitation? Excusez-moi! Qu'en est-il de l'exploitation? Parce qu'on nous a dit pétrole, il y a l'argent dedans. Ceux qui font ces choses-là, les Saoudiens, les trucs-là, les gens de Dubaï, là, c'est pétrole, ils vivent de pétrole. Et c'est eux, joli comme ça, sinon on dit il y a pétrole. Et puis, moi, il y en a, ça n'était comment? Mais la question est pertinente. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a effectivement le projet Baleine, qui est un grand gisement de pétrole qui a été en tout cas découvert en Côte d'Ivoire. Et je pense que vous êtes l'interface, justement, où vous travaillez avec le gouvernement et puis l'entreprise internationale qui est en charge de l'exploitation de ce gisement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots dessus? La découverte pétrolière de la Côte d'Ivoire, Baleine, est une découverte majeure, il faut le dire. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Baleine. Parce qu'il y a certains pays qui font des découvertes qui sont des découvertes mineures. Mais là, au niveau de Baleine, c'est une découverte majeure qui est déjà dans sa phase d'exploitation. C'est-à-dire que tout ce qui va permettre de pouvoir développer ce champ, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment.
Et donc, il faut être un peu patient. Mais déjà, il y a des emplois qui sont créés. Mm-hmm. Parce que quand vous passez sur toutes les zones où est-ce que circulera le gazoduc, mm-hmm. vous voyez des jeunes des quartiers qui sont employés mm-hmm. et qui travaillent. Et donc, après, ça sera encore des emplois. Mm-hmm. Donc, pour dire que personne n'est oublié. Mm-hmm. Et hormis cela, le pétrole ne sert pas qu'à faire du carburant. Mm-hmm. Le pétrole ne sert pas qu'à faire du carburant. Mm-hmm. Avec du pétrole, on fait des engrais chimiques pour l'agriculture. Avec du pétrole, on fait du bitume pour des routes. Ouais. Avec du pétrole, on fait des matières cosmétiques. Avec du pétrole, on fait des matières alimentaires. Mm-hmm. Donc, quand des gens demandent de sortir du pétrole, si vous êtes en Afrique, que vous sortez du pétrole, ben, les routes pour aller dans les villages, on va les construire avec quoi? On ne construit pas les routes avec du sable. Mais il y a des matériaux aussi innovants qui sont... Les matériaux innovants, ça va coûter combien? Le pétrole aujourd'hui est une ressource pour l'Afrique toute entière. La contribution de l'Afrique toute entière dans ce que nous appelons les gaz à effet de serre est à moins de 4%. Donc toute l'Afrique, je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire, ni du Sénégal, ni du Gabon. Je ne parle que de toute l'Afrique entière. Quand tout un continent fait moins de 4% en termes de contribution à gaz à effet de serre, quand on parle de transition énergétique, il faut une transition sélective. Ce n'est pas nous qui devons sortir en premier parce que nous, on a besoin de notre pétrole. Et comme j'ai dit, notre pétrole, on en a besoin pour faire des routes. Notre pétrole, on en a besoin pour des engrais chimiques. Notre pétrole, et même les voitures qui disent être des voitures électriques. Mm-hmm. Avez-vous vu une voiture électrique qui roule avec des pneus en fer? Non. Les voitures électriques roulent avec des pneus en caoutchouc. Le caoutchouc, c'est quoi? C'est du pétrole. En fait, on retrouve le pétrole dans pas mal de... Donc, il faut un moment donné... Quand on a un débat, il faut comprendre de quoi on parle. On veut aller vers tel chemin, ça fait beau. Mais quand vous allez finir de faire les voitures électriques, je ne dis pas non, je ne suis pas contre, hein. Mais quand les voitures électriques sont là, les pneus, vous les prenez où? Ça roule comment après? Il faut encore revenir au pétrole. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, notre débat en tant qu'experts, c'est d'associer, quand on parle de transition énergétique, nous parlons plutôt d'innovation énergétique, mm-hmm. c'est-à-dire utiliser le pétrole autrement. Alors, on va revenir sur les questions de... Oui, je ne vais pas applaudir, parce que ce sont des informations qu'on n'a pas forcément, et c'est très important de nous situer là-dessus. Mais avant de revenir sur les enjeux énergétiques et environnementaux aussi, je voudrais simplement savoir, le projet Baleine, il est situé où? C'est à Abidjan? C'est beaucoup plus loin? Le projet Baleine, le gisement est découvert en eau. En mer, c'est-à-dire à peu près à 80 km en mer. Donc, c'est pas quelque chose... Au large d'Abidjan ou... Lorsque vous allez vous êtes du côté, disons, des côtes d'Assigny, à Soindé, mm-hmm. et vous regardez dans cette direction, c'est dans cette direction que se trouve le gisement à 80 km. Mm-hmm. Et ensuite, après la production, il faut convoyer toute la production à terre mm-hmm. par des gazoducs pour le gaz qui va passer dans la mer et tout ça. Donc, vous voyez, c'est dans certains cas... l'exploitation pétrolière, c'est quelque chose qui peut aller dans la phase d'exploration et tout ça, hein, y compris. C'est des choses qui peuvent vous coûter par jour pas moins de 200 millions à 300 millions par jour. Wow. Donc c'est assez coûteux. C'est une industrie lourde, une industrie phare. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la bonne nouvelle est que notre bassin sédimentaire est un bassin prometteur. Ça veut dire que ceux qui viendront faire de la recherche en Côte d'Ivoire, qui viendront investir dans les bassins sédimentés de la Côte d'Ivoire, sont sûrs de pouvoir avoir gain de cause. Voilà. Et surtout, pour aller dans votre sens, souvent, en fait, pour avoir fixé le prix du pétrole, je pense que le pétrole de référence, c'est le Brent. Exactement. Il n'y a pas que le Brent, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de Brent, il y en a plusieurs. En fait, la qualité du pétrole en elle-même, c'est bien ça, ce n'est pas forcément toujours la même chose. Oui, c'est-à-dire que nous avons des pétroles bruts, des pétroles de référence. Mm-hmm. Le Brent, vous avez le WTI, voilà, au niveau des États-Unis, ça dépend. Pourquoi il y a des pétroles de référence? Parce que dans certaines zones, le pétrole ne peut pas avoir les mêmes caractéristiques. Dans un pays où il fait extrêmement chaud, le carburant ne peut pas avoir les mêmes caractéristiques que dans un pays où il fait extrêmement froid. Donc, en fonction des différentes zones, il y a certaines caractéristiques qui sont demandées. Au niveau du pétrole brut également, mais celui dont on parle le plus, c'est le pétrole Brent qui fait la référence
aujourd'hui au plan mondial. Bon, moi, je pose la question à dessein parce que justement, je voudrais savoir le pétrole découvert en Côte d'Ivoire, il est de quelle qualité? Est-ce que c'est de la top qualité ou c'est un pétrole, du pétrole? C'est brun, là. C'est qui dit ce qui est bon, là, c'est ça? le pétrole de Côte d'Ivoire, il faut retenir déjà que s'il n'était pas de qualité, il n'aurait pas attiré des investisseurs. Ah. Donc la terre ivoirienne est devenue terre florissante et nous sommes bénis en ce sens-là. Mais comme je dis, les autorités gouvernementales essaient de tout déployer avec le ministère et tout ça. Ils essaient de réfléchir. Déjà, ils réfléchissent pour déployer une stratégie pour accorder les meilleures parts d'exploitation à différents prestataires qui sont là. Mais excusez-moi, qui pétrole, qui exploite? Qui vient enlever? Parce qu'il a parlé de 200, 300 millions. Tout ce temps-là, on ne va pas donner par jour. On donne à quelqu'un. C'est qui? Je ne sais pas. Excusez-moi. Parce qu'il faut comprendre que. C'est pour nous. Il faut comprendre que le pétrole, une fois qu'on a découvert le pétrole, ça devient un peu facile pour tout le monde de dire c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Mm-hmm. Mais avant de découvrir le pétrole, vous pouvez peut-être passer 2-3 ans à dépenser 200 millions par jour et ne pas trouver de pétrole. Mm-hmm. Et vous repartez bredouille. Mais l'intérêt, comme j'ai dit, pour la Côte d'Ivoire, la différence des autres, quand vous prenez tout le golfe de Guinée, mais notamment la terre ivoirienne, dans sa partie offshore, après, c'est que des informations qui sont disponibles, est un gisement prometteur. Un gisement prometteur, c'est pour dire qu'il a de bons indices qui peuvent appeler des gens à venir exploiter. Je vais rebondir sur la question de Dr Philo et ma question sera à double volet. Effectivement, on entend souvent dire que voilà, on exploite le pétrole ici, mais que par exemple la Côte d'Ivoire n'aura peut-être que 20% et que 80% ira le reste à celui qui exploite. Comment votre regard d'expert là-dessus premièrement? Et puis on a beaucoup de pays africains qui exploitent le pétrole depuis des années. Et comment la Côte d'Ivoire va se positionner dans sa politique pétrolière et énergétique pour ne pas faire les mêmes erreurs que ces pays-là? Est-ce que vous qui êtes expert, vous arrivez à conseiller et à vous impliquer dans une politique constructive Bon, déjà, je vais commencer par la deuxième question. La deuxième question, c'est que la Côte d'Ivoire est très avancée dans ce qu'on appelle la bonne gouvernance pétrolière. Parce qu'une bonne gouvernance pétrolière, c'est une gouvernance qui se différencie de la gouvernance d'entreprise. Une gouvernance d'entreprise, on vous demande peut-être de faire des bénéfices. Mais la gouvernance pétrolière, c'est de développer l'industrie pétrolière et que derrière, l'industrie pétrolière développe les autres secteurs d'activité. Le problème, c'est quoi? Quand on découvre du pétrole quelque part, vous allez voir que s'il n'y a pas une bonne gouvernance pétrolière, l'instituteur qui est au village, il laisse la craie, il veut être pétrolier. L'infirmier du village laisse la craie, il veut être pétrolier. Tous les chauffeurs, tout le monde veut être pétrolier. C'est fait dans certains pays. C'est ce que je dis. Dans certains pays, quand on a découvert le pétrole, les gens ont abandonné leurs activités qu'ils faisaient, même les chauffeurs des transports en commun ont tout laissé tomber, tout le monde veut être pétrolier. Et même quand ils ne sont pas appelés, ils préfèrent attendre parce qu'ils ont honte de faire autre chose que être pétrolier. Ouais. Or, en Côte d'Ivoire, et ça c'est en ce moment en termes de gouvernance d'entreprise, la société pétrolière va faire des bénéfices parce qu'en termes d'entreprise, elle est rentable, mais en termes de gouvernance pétrolière, elle n'est pas rentable parce qu'elle détruit des secteurs d'activité. C'est pour cela qu'en Côte d'Ivoire, on insiste sur la bonne gouvernance pétrolière, de sorte que la rente pétrolière ne détruise pas des métiers, mais au contraire, que l'argent du pétrole serve à développer. Et donc, pour dire, revenir sur les parts de partage, ce qu'on entend par la presse et tout ça, c'est certaines presses d'infox. Je ne donnerai pas les chiffres parce que c'est des informations sensibles qui sont du ressort des autorités, mais ce n'est pas les chiffres exacts que vous entendez. Les chiffres exacts, c'est ceux qui sont communiqués par les autorités officielles de la Côte d'Ivoire. C'est très intéressant ce que vous dites. Et nous, notre pétrole à nous, c'est la pub, donc on va aller à la pub. C'est mieux. Internet à volume illimité. Pendant 1 heure, 2 heures ou 6 heures, ça te dit? Active ton forfait Internet à volume illimité de ton choix et kiffe à volonté. 1 heure à 300 francs CFA, 2 heures à 500 francs CFA et 6 heures à 1300 francs CFA. La générosité de l'Internet, c'est forcément chez Move Africa. Alors tape étoile 303 étoile 3 dièse et kiffe ta life. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, maman. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hé, voilà. Manager, on fait pas. Tu vas où? C'est magnifique.
tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein. Mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé et parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. On va maintenant Midi, M-I-D-I, par SMS au 98-114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. Midi au 98-114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre invité. Nous entamons la deuxième partie de notre émission. Et c'est un plaisir d'avoir aujourd'hui un expert en pétrole et énergie, expert international en pétrole et énergie, Serge Parfait Dioman, est engagé au service de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes vraiment, nous honorons de votre présence sur le plateau. Donc nous avons quand même beaucoup appris dans cette première partie. Non, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est, il est concis et ça développe les esprits. Parce qu'on attend trop de choses et avoir un expert comme ça. Parce que c'est, souvent, même on est dans le bar. On attend, oh, Manu, c'est pas le pétrolier. Lui, il est quel pétrolier? Donc souvent, ça nous mélange. Tu vas pétroler la même, Pakit la même là. On s'est dit, il est quitté le pétrole là-haut. Franchement, nous en sommes édifiés. Et je rappelle que M. Dioman, tous les gouvernements se l'arrachent, quoi. Plus de 35 pays, les multinationales, les gouvernements ont besoin de son expertise. Oh, On vous dit, faites l'école. L'école paye, le travail paye, l'excellence paye. Voici la preuve. Je voudrais qu'on aborde très rapidement, M. Dioman, un volet un petit peu qui fait beaucoup l'actualité, c'est-à-dire qu'on parle souvent du pétrole en termes de pollution, ça dégrade l'environnement, l'environnement est un sujet d'actualité. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que le pétrole est effectivement un élément dégradant de l'environnement? On parle aussi d'énergie renouvelable, etc., de faire monter le mix énergétique, enfin, ce sont des termes qu'on entend tout le temps. Ouais. Vous, on a un expert aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous situer là-dessus? Bon, déjà, je suis favorable au mix énergétique plutôt. Parce que le mixte énergétique, c'est d'utiliser toutes les ressources et ne pas exclure une. Utiliser toutes les ressources, mais savoir les utiliser. Ça, je suis déjà favorable. Mais la transition qui dit qu'il faut abandonner une ressource pour aller vers l'autre, il faut déjà comprendre qu'on se développe de façon énergétique avec les ressources qu'on a à proximité. Si vous n'avez pas, par exemple, une ressource, qu'on vous dit qu'elle est renouvelable et qu'il faut aller vous développer avec, le coût du transport de cette énergie peut vous faire perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup et s'avérer après dommageable pour l'économie. Parce que l'argent qu'on a pour le pays, c'est pour se développer sur des priorités. Le pays a des priorités. Mais aujourd'hui, quand on parle d'énergie renouvelable, mais ça me fait un peu sourire parce que la Côte d'Ivoire est à la base un pays à énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, ce n'est pas que le solaire. Les barrages, c'est quoi? Les barrages, c'est l'énergie renouvelable. Les barrages hydroélectriques. Mais pourquoi est-ce que quand on parle d'énergie renouvelable, on fait comme si l'Afrique ou la Côte d'Ivoire est un pays qui ignore les énergies renouvelables? Alors, est-ce que vous avez l'impression que en fait, l'Occident essaie de nous imposer un modèle alors que nous ne sommes pas encore à l'heure? Non, ce n'est pas l'Occident qui nous impose un modèle. Tout le monde, il n'y a pas que l'Occident, tout le monde entier constate que nous avons un réchauffement climatique. Il y a des efforts à faire. La part africaine, c'est que nous sommes d'accord pour faire la transition énergétique, mais il faut une transition énergétique sélective. Ne nous demandez pas d'aller au même rythme que vous, parce que pour construire ce que vous avez avec vos moyens, nous, il nous faut des moyens financiers que nous n'avons pas. D'où l'aide. Donc, on veut bien y aller, mais si on reçoit de l'aide et de l'assistance pour faire du solaire, pour faire de l'éolien, on est preneur. Mais si j'ai de l'argent pour aller construire, par exemple, une maternité, pour aller construire un collège, pour aller construire, par exemple, quelque chose de social, et que face à ça, on me dit de laisser pour aller construire du solaire, alors que j'ai de l'eau qui me permet déjà de faire de l'énergie. Donc, en ce moment, tu me dis d'aller, enfin, vous me dites d'aller, je suis d'accord, mais si vous m'assistez, si vous me donnez les moyens, je vais y aller. Mais pas enlever l'argent qui est dans la bouche des femmes enceintes dans les maternités et tout ça, pour aller faire quelque chose que je fais déjà avec autre chose. Ouais. C'est un peu ça le message de l'Afrique. Donc, pour dire que la pollution en termes de pétrole, le pétrole en lui-même n'est pas polluant. C'est une matière, comme j'ai dit, elle est multimillénaire d'âge. Si le pétrole était polluant,
on serait déjà tous morts depuis des milliers d'années. Il faut bien comprendre, le pétrole n'est pas polluant. C'est la manière dont on utilise le pétrole qui est problématique. C'est pour cela que nous parlons, nous ne parlons pas de transition énergétique, mais nous parlons d'innovation énergétique, c'est-à-dire innovons la manière d'utiliser le pétrole. Je prends un exemple simple. Vous prenez deux voitures qui rentrent dans une station d'essence. Deux voitures qui prennent le même carburant. En sortant de la station d'essence, il y a une voiture qui commence à dégager de la fumée. Quel est le problème? Les deux voitures ont pris le même carburant. Mais si une dégage de la fumée, c'est quoi? C'est qu'il y a un qui n'entretient pas sa voiture. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec le pétrole? Donc, à un moment donné, il faut situer les responsables. C'est les bagarres-là qui vont fumer. Et je rappelle que vous êtes un pur produit de l'école ivoirienne. Vous avez reçu de nombreuses distinctions. Donc, en Côte d'Ivoire, on est capable de former. C'est vrai qu'on parle souvent de l'école, mais en Côte d'Ivoire, on forme vraiment des intellectuels et vous en êtes preuve. Et j'ai envie de dire que le pétrole du village est devenu kérosène. Donc, je vais me tourner vers Nadia Sabé. Nous allons changer d'environnement. Et vous êtes... Nadia Sabé, j'ai envie de dire, avant de vous passer la parole quand même, que Nadia Sabé, que vous voyez, c'est la valeur montante de la télévision ivoirienne. Oh là là. Vraiment, c'est vraiment, je vous félicite pour ce que vous faites. Vous êtes vraiment un pur produit. Vous êtes vraiment du pétrole. Oh. On va tout de suite pour votre chronique. On y va. Jingle. C'est Nadia Sabé. J'ai encore les étoiles dans les yeux. Applaudissez, c'est quoi? Quand même! Alors, il est originaire de la Côte d'Ivoire, plus précisément de Gagnoua. Ce n'est pas un pétrolier, mais plutôt un grand philosophe de l'État de Côte d'Ivoire et ex-rapatrié. Monsieur Albert Pétézoué nous a marqué durant l'année 2022. Où est-il? Qu'est-ce qu'il mijote pour cette nouvelle année-là? On ne sait pas. Le temps d'avoir une réponse à ces questions, revivons ensemble le parcours de notre philosophe. Un reportage signé Adjoa Pendré. Bédjamio. C'est en 2022 que le philosophe Albert Pétézoué apparaît à l'antenne pour la toute première fois. Jamais sans son chapeau et ses gaillards vestes, Pétézoué devient très vite le chouchou des internautes. Mais l'aventure n'a pas toujours été facile pour lui. Revivons ensemble les moments forts de notre philosophe. Mais je vous le dis, l'air a été infectérisé de façon casse-datoire. De ton avis, je ne pousse un cuicui, je peux voir des poulets. Ce qui veut dire que tu es délicieuse. Veux-tu finir ta vie avec le grand Pétézoué Albert que je suis? Le grand philosophe Pétézoué Albert que je suis vous dit merci pour votre soutien et votre sentiment manquant à mon égard durant cette semaine suite à ma demande en mariage. Tout était là pour une fête fest-histoire. Donc, en tant qu'un grand philosophe, j'ai été honoré aujourd'hui en tant qu'un chef. Et c'était topissime Steen. Je suis très énervé. Je suis vénère, furasque et même inondé de colère. Hein? Un grand pétézoué comme je suis, le grand pétézoué que je suis, philosophe de son état, on m'empêche de rentrer dans la COP 15. Vous pensez que quoi? J'ai plusieurs COP chez moi. J'ai même des verres. J'ai même des gobelets. Vous pensez que quoi? Je me mords à dire. J'ai été humiliée en bordure de route, dans une brousse broussailleuse, à cause d'une histoire de coupe. On m'a traité tel un déchet, hein, notoire de Dubaï. Non, mais attends là-haut! Mais le chapeau là-même, il a été éteint. Autant enlevé, même j'étais ça. Non, mais le chapeau, il a été éteint comment? Et vous, vos lunettes là? Non, attendez là! Venez m'enlever ce micro de merde et que je m'en aille! Eva, c'est pas un malade mental que tu as envoyé ici? Non, merci de nous avoir suivis. Merci! Et puis au revoir, hein! Eva, ton numéro après. Incroyable, incroyable. Albert Pétézoué. Non, mais il était choqué. Ah, il était perdu, il ne savait pas que c'était vous, en fait. Ouais, franchement, elle incarne tellement de personnages. Ouais. Albert Pétézoué, Adjoa Pendré, Bédjamio. Toclo Robert. Ils nous sont beaucoup. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et on espère, en tous les cas, vous revoir encore. Et on espère de nouveaux personnages. Ah bah oui. Parce, franchement, le philosophe... Surprise. On ne dévoile pas tout. Ok, ben nous allons tout de suite partir pour une nouvelle page pub. Parce que la pub, c'est notre pétrole. On y va pour la pub.
Internet à volume illimité. Pendant 1 heure, 2 heures ou 6 heures, ça te dit. Active ton forfait Internet à volume illimité de ton choix et kiffe à volonté. 1 heure à 300 francs CFA, 2 heures à 500 francs CFA et 6 heures à 1300 francs CFA. La générosité de l'Internet, c'est forcément chez Move Africa. Alors tape étoile 303 étoile 3 dièse et kiffe ta life. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Nous sommes de retour pour la dernière partie de notre émission. Nous sommes toujours en compagnie de Serge Parfait-Diouman, qui est expert international en pétrole et énergie. J'ai envie de vous poser une question comme ça, tout de go. Vous êtes Rasta et vous êtes expert international en pétrole. Est-ce que ça, c'est pas incompatible? Non, en fait, Rasta, c'est une religion. Ah, c'est une religion? Rasta, c'est une religion. D'accord. Rastafarisme, mais moi, je ne suis pas Rasta. Je suis chrétien catholique. Vous avez juste les dreadlocks. Voilà. D'accord. Mais quand vous allez dans les conférences internationales et autres, on annonce l'expert international. Il vient, et puis on voit un monsieur arriver avec cette dreadlock, c'est tout ça. Là, les gens vont commencer à s'habituer petit à petit à la faveur de la découverte pétrolière en Côte d'Ivoire. Vous allez voir des pétroliers qui vont arriver, chacun avec le look de son pays. Wow. Voilà. Donc quand vous allez au Venezuela, vous allez en Inde, vous allez partout, chacun vient avec son look. Vous voyez ? Et ça nous permet de... Ça nous remotive, en fait. Voilà, ça nous remotive. On est des ambassadeurs, des éléphants qui défendons la couleur ivoirienne à l'extérieur. Et chacun a quelque chose qui le motive, en fait. Voilà. En fait, c'est l'occasion de dire que la vie ne fait pas le moine. Très souvent, on va voir quelqu'un en dreadlocks, alors que c'est un expert international. On a tendance à négliger. Donc, la vie ne fait pas le moine. Faites attention. Vous avez la parole, je vous laisse la garder, peut-être pour adresser un message aujourd'hui aux Ivoiriens par rapport à votre expertise, par rapport aux jeunes qui souhaitent embrasser une carrière telle que la vôtre. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui? Bon, la chose la plus importante pour les jeunes qui veulent exceller dans le domaine pétrolier, l'une des choses la plus importante, c'est de faire un effort pour être au moins bilingue, bilingue anglais-français. Et ensuite, le deuxième effort, c'est d'apprendre à nager en mer. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas aller faire une carrière pétrolière pour aller rechercher du pétrole en mer et vous ne savez même pas nager dans une piscine. Et là, ce serait un peu dommage. C'est un critère éliminatoire pour aller en mer. Vous ne pouvez pas... Le test, il y a un test qui se fait aujourd'hui, le BOSIET, qui se fait au niveau de l'Académie de la mer de Yopougon, qui est là. Vous allez, vous êtes testé. Si vous n'arrivez pas, c'est valable 3 ans et ce n'est pas à vie. Chaque 3 ans, il faut renouveler. Donc, c'est pour dire qu'il y a certaines prédispositions. Malgré tous vos diplômes, si vous voulez embrasser une bonne carrière pétrolière en tant qu'expert, je dis, il y a d'autres domaines, mais si vous voulez entrer dans le domaine de l'expertise pétrolière, surtout le domaine de l'expertise internationale, vous devez maîtriser l'anglais, au moins, ensuite vous ajoutez d'autres langues. Ensuite, il faut savoir nager en mer. Je n'ai pas dit nager dans la piscine, nager en mer. C'est différent. Non, même dans la mer, c'est noir. Qui Donc, ce sont des critères éliminatoires. D'accord. Qu'il faut merci voir. Beaucoup en tout cas pour votre présence. Je vais déjà saluer mes différents collègues qui me suivent depuis l'Inde, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, je vais dire la France, l'Allemagne, Maroc, Cameroun, tout le monde. Martinique, j'oublie pas. Guadeloupe, tout le monde. On avait tellement de questions à vous poser, notamment les implications de l'Ukraine, enfin la crise Ukraine-Russie, mais on ne va pas aller là-dedans. Les amis italiens. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et nous allons tout de suite retrouver Dr Philou pour sa chronique. Le pétrolier, ça nous en a achevé, là. Un pétrolium long. Jingle. On y va pour le tout. Rétro, c'est midi, avec Dr Philo. Il est en train de lui dire, ah, si il faut savoir nager pour être expert, c'est que tous les adjoukrous là. Mais alors, aujourd'hui, dans le rétro, c'est midi, vous savez que c'est midi à sa 10e saison, et donc, chaque jeudi, on fait venir quelqu'un, peut-être. Alors, ce qui arrive, elle était chroniqueuse à ses midi, elle a enflammé cette place que vous voyez, GTB ici. Bizarrement, on est dans le domaine du pétrole aujourd'hui. Elle enflamme. Le pétrole, quand tu mets dans le feu, ça enflamme. Boum. Donc, oui, et c'est le pétrole qui la produisait. Alors, c'est autre que Cassandra Samoa, que je vous demande, on va sonner très très fort. Cassandra Samoa qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Bienvenue Cassandra. Merci, ça va?
Bienvenue. Ça va, merci. Nadia, Philo. Vous êtes à la maison ici. Hein, c'est c'est la maison. Je vous laisse dans les mains de Docteur Philo. Non, mais c'est la femme. On va sonner encore Cassandra. Ouais. Nous sommes très heureux de vous avoir. Elle aussi, aussi talentueuse, elle incarne plusieurs personnages avec la Caro Gang. Vraiment, c'est elle qui est là. Hein. Y a pas... Alors, Cassandra, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver ce studio, ce midi? Je suis très émue. Wow. C'est vraiment... Ici, c'est la maison. C'est la maison. Voilà, Philo parlait tout à l'heure d'enflammer. Bon, je pense que dans la vie, même si on a du talent, il faut toujours une personne pour te pousser. Mm-hmm. Et moi, c'est grâce à ces midis que je fais toutes mes activités du jour. Et je tenais à remercier M. Joseph Andjou et le directeur de la RTI. Ce midi, c'est la télé utile. C'est ça. Comme vous, hein, le talentueux Laurent Monti et la talentueuse Nadia Sabé, que j'adore regarder, moi, son personnage, là. Monsieur Albert Pédé. Oui. Alors lui, quand je ne suis pas bien, je le regarde tous les jours. Ça me fait rigoler. Alors, on va avoir une vidéo de Cassandra pour voir un peu ce qu'elle faisait. Âme sensible, s'abstenir, parce que là, Paki était là à l'époque, quoi. Comme on dit chez nous, c'est l'ancien boulot. Alors, aujourd'hui, dans C'est à savoir, je vais vous faire une petite révélation. Voilà. Et on va répondre à la question suivante. Quelle est la plus grande peur d'un artiste? Eh bien, c'est de sortir une musique, avoir un énorme succès et de ne plus pouvoir refaire une musique à la hauteur de la précédente et d'être jeté aux oubliettes. Ça a été le cas de plusieurs artistes. Pourquoi est-il important de savoir garder le silence? Alors, on nous dit que le silence, c'est l'attitude d'une personne qui reste sans parler. C'est le fait de ne pas divulguer ce qui est secret. Arafat, bébé dans là, la jalousie n'est pas bien. Et à mes parents, à mes amis, Gama, Bernardo, grande dédicace à M. Zadinirbou, mon oncle du bois. Aïe, 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 sexy moulé, sexy. Sexy moulé, sexy, sexy moulé. Petite, mauvaise, petite, mauvaise. Cassandra, wow. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? Ça vous replonge dans... Ouais, dans beaucoup de souvenirs, mais je savais que j'allais pas y échapper. Quoi. Non, mais c'était... C'était bon quand même. Ouais, c'était bon. Alors, Cassandra, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau, dans le Retro, c'est midi. Votre actualité aujourd'hui, c'est quoi? Ben, toujours grâce à la RTI, j'ai pu développer ma passion pour la production. Et après Madame Escaveau, bon, j'ai pris un peu de recul parce que... Grâce à l'émission C'est Midi, à l'extérieur, tout va un peu vite. Hein. Oui. On a des contrats, on tourne un peu partout. Moi, je suis un peu partagée entre le côté artistique et puis le domaine de l'animation et la production. Donc, mais bon, voilà, la production, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, du coup, j'ai écrit une nouvelle émission qui s'appelle Au cœur du pouvoir et de la réussite. Okay. Et je vais à la rencontre de nos personnalités politiques, publiques, hommes d'affaires, femmes d'affaires. L'objectif de cette émission, c'est de dresser le portrait de nos personnalités. Et en 45 minutes, pour les découvrir qui sont-ils réellement, en fait. Voilà. Bon, on a tendance à juger hein, par le titre, mais moi, en fait, je rentre vraiment dans leur intimité, dans leur vie, et je retrace leur parcours. Et vous allez découvrir des images inédites parce que on a une fiche des moments souhaités. Et dès l'instant où la personnalité accepte qu'on rentre dans son intimité, donc à la maison, là, on a toute la latitude de Est-ce que Cassandra n'est pas en train de devenir sérieuse? Parce qu'on la connaît un peu quand elle incarne les rôles comédienne, actrice et autres. Et puis du coup, on vient, c'est une émission au cœur du pouvoir où elle va vraiment poser des questions. Bon, est-ce que là... Ouais, je pense que tu peux poser la question à Nadia Sabé. Elle va te répondre la même chose que moi, je pense. Une personne qui fait de la comédie ou qui est actrice, c'est un rôle, c'est un jeu. Voilà. Elle peut être aussi très sérieuse. Et j'ai toujours été sérieuse, c'est juste que je ne le montrais pas. Et ici, c'était mon moment de ma thérapie. Voilà, quand j'étais sur l'émission C'est Midi, je me lâchais, je faisais ce que j'avais à faire. Mais ça n'empêche pas que je sais tenir un rôle.
Un rôle sérieux, voilà. En tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir cette émission parce que c'est vrai qu'on voit toujours nos hommes politiques dans ces réunions officielles, mais au final, on ne les connaît pas vraiment. Et donc, ça nous permet d'avoir un lien avec eux, de voir comment ils vivent. Ils ont des enfants, ils sont mariés, enfin, ils sont comme nous, en fait. Voilà, c'est des personnes comme vous, et voilà. Et voilà, une vie normale. Sauf qu'on n'a peut-être pas la même poche, mais bon. Oui, mais là encore, vous allez voir à ce niveau-là, au niveau de l'argent, parce qu'on a abordé aussi la question, ils sont restés très humbles. Par exemple, la ministre d'État, que je tenais vraiment à remercier, parce que voilà, c'est le premier numéro, on va commencer avec la ministre d'État, Candia Kamisoko Camara. Voilà, et elle était vraiment... C'était, une personne peut faire semblant un jour, deux jours, mais pas six jours. Moi, je suis restée avec elle six jours. Vous avez dormi chez elle? Pas du tout. Le matin, on revient, on la suit dans ses activités, je rentre, le soir, je repars, et elle m'a quand même fait rentrer dans son intimité. Vous allez découvrir quand même la maison de la ministre d'État. Quand même. Et... Alors, Cassandra, c'est tellement passionnant. Ça passe quand? Et c'est à quelle heure? Moi, je ne veux pas rater ça. Alors, moi, je suis sûr que les téléspectateurs non plus. Alors là, je vais vous dire la vérité. Nous, on est vraiment en temps réel. Là où je vous parle, ce matin, on était en tournage, on a enchaîné ici. Donc ça veut dire, tant que les personnalités n'ont pas validé leur émission, on ne peut pas commencer à diffuser. Normalement, la diffusion commence la semaine prochaine. D'accord. Les panneaux, la diffusion, enfin toute la communication autour de cette émission. Maintenant, nous, on a fini de travailler, en tout cas pour la première partie. On attend maintenant que les personnalités valident et on commence la diffusion. Sinon, nous, on est prêts. De notre côté. Nous sommes impatients de découvrir. Bravo pour ce que vous faites. Effectivement, vous avez plusieurs casquettes et c'est très, très, très intéressant. Vous aussi, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes bon danseur. Aussi. En tout cas, qu'il me soit permis de revêtir ma casquette d'animateur pour remercier le chaleureux public qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Il s'agit du groupe Solidarité d'Agban Village. Agban Village, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, on a aussi, naturellement, le fan club de Cédibu qui est avec nous. Et vraiment, qu'il nous soit permis de remercier à nouveau chaleureusement Monsieur Serge Parfait-Domian. Nous avons beaucoup appris, nous avons été édifiés. Et vous revenez quand vous voulez pour la deuxième partie de votre passage ici. Vous restez avec nous en Côte d'Ivoire, bien entendu. Merci beaucoup, Cassandra. Merci à vous. Et nous avons vraiment hâte de découvrir. Merci Nadia. Merci. Docteur Fido. Au plaisir. Et merci à vous de nous suivre fidèlement. Nous allons nous retrouver demain pour le final, le bouquet final de ces midis. Et bon appétit. Au revoir.